Deuxième dimanche après la grande solennité de Pâques, la liturgie de l'Église nous invite à célébrer la divine miséricorde. Et cela depuis le 22 avril 2001, où le Saint-Pape Jean-Paul II a voulu ainsi répondre à la demande du Seigneur qui s'était adressée à Sœur Faustine en ces termes. En ce jour, sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s'écoulent les grâces. Qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si ses péchés sont comme l'écarlate. La fête de la miséricorde est issue de mes entrailles. Je désire qu'elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques. Le genre humain ne trouvera pas la paix tant qu'il ne se tournera pas vers la source de ma miséricorde. Ainsi se termine ce que Jésus avait dit et mentionné, écrit par Sœur Faustine dans son journal au paragraphe 699. Nous avons plus que jamais besoin de cette paix à l'heure actuelle où quelques 3,5 milliards d'individus sont aujourd'hui cloîtrés chez eux, près de la moitié de la population mondiale qui est confinée. Si dans l'Évangile, il nous est dit que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillés par crainte des Juifs, aujourd'hui, à travers le monde entier, les portes de nos maisons, nos églises, nos couvents sont verrouillées par crainte non pas des Juifs, mais par crainte d'un ennemi invisible, à l'œil nu, le coronavirus. Le soir venu, du premier jour de la semaine, jour de sa résurrection, Jésus vint rendre visite à ses disciples. Il vint au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Et il nous dit à nous aussi « La paix soit avec vous ». Il nous donne sa paix. Il donne sa paix à chacune de nos familles. Il donne sa paix à chaque être humain, chaque maison. Et cette paix, c'est celle que rien ne saurait, ne pourrait nous ravir. À la sœur Faustine, Jésus a offert une âme très puissante contre la peur de la mort éternelle. Le chapelet de la divine miséricorde. Il lui promettait alors de nombreuses grâces pour ceux qui implorent sa miséricorde par ce moyen. Les âmes qui réciteront ce chapelet seront enveloppées par ma miséricorde pendant leur vie et surtout à l'heure de la mort. Dans l'Évangile, Jésus nous dit, au chapitre 11 de l'Évangile de Saint Jean, versets 25 à 26, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela ? Cette question, il l'avait posée à Marthe et il nous la pose aujourd'hui. Crois-tu cela? Jésus nous permet de vivre de sa propre vie dans la foi et c'est à juste titre que nous devons jubiler
C'est à Justine que nous devons manifester notre joie avec saint Pierre dans sa première épître. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l'aboutissement de votre foi. Si Pierre a eu le privilège de connaître Jésus, s'il a eu ce privilège d'être témoin de sa résurrection, ceux à qui il s'adresse ici n'ont pas eu ce privilège. Il s'adresse à nous. Nous n'avons pas été témoins oculaires. Nous n'avons pas eu d'apparition de Jésus. Cependant, Pierre développe pour eux et pour nous aussi la béatitude que Jésus avait dite à Thomas. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et il les encourage, il nous encourage donc. Vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi et vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire. Pierre insiste sur la joie des chrétiens, une joie à la fois inexprimable et plus forte que toutes les épreuves passagères. Celle-ci résonne donc comme un appel pour nous. Le coronavirus ne doit pas nous ravir cette joie du ressuscité. Jésus est ressuscité, il est bel et bien vivant. Lorsqu'il apparaît aux disciples, pour le prouver, il montre ses plaies, qui sont les marques de la crucifixion. Alors même, si cela paraît fou, Saint Jean, dans l'Évangile, nous dit « Les disciples furent remplis de joie. » C'est inouï ce qui leur arrive. Ils sont stupéfaits. Et à ce moment-là, Saint Jean continue. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. » Alors, ils peuvent réellement être dans la paix. Cette paix qui nous est donnée à nous aussi. Non pas comme si rien n'était arrivé, mais malgré ce qui est arrivé. Jésus qui a été condamné, crucifié, mort et désormais ressuscité. Ils s'étaient enfermés, ses disciples, parce qu'ils avaient peur des Juifs. Cette paix, elle nous est donnée pour toujours. Parce que cette paix du ressuscité est très au-delà de ce qui peut arriver. Ayant ainsi parlé, Jésus répandit sur eux son souffle et il leur dit, recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Nous avons un grand lien ici entre le don de l'Esprit Saint et la mission de réconciliation. Si l'Esprit nous est toujours donné pour une mission dans les Saintes Écritures, il n'y a pas d'autre mission en définitive que celle de nous réconcilier avec Dieu. Saint Jean-Paul II résume cela en ces termes. Jésus confie aux apôtres le don de remettre les péchés, un don qui naît des blessures de ses mains, de ses pieds et surtout
de son côté transpercé. C'est de là qu'une vague de miséricorde se déverse sur l'humanité tout entière. Si Thomas avait refusé de croire au témoignage des disciples, désormais, nous sommes nous appelés à être non pas des incrédules, mais plutôt à croire. Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Lui avait dit Jésus, cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. En ce dimanche de la miséricorde, unissons-nous à cet acte désormais de foi de Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Unissons-nous à ces paroles très fortes que Jésus avait enseignées et demandées à Sainte Faustine pour nous, cet appel à lui faire confiance. Jésus miséricordieux, j'ai confiance en toi. Confions-nous en Marie, Mère de toute miséricorde, qu'à sa prière, nous puissions marcher à la suite du ressuscité et que nous laissions vraiment déborder de notre corps, de notre cœur, cette joie du ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Alléluia.